Eh bien, salut tout le monde, c'est Chapeau de Paris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera la découverte de Dead Motherland. Survival Co-op, je pense, la suite du titre du jeu. Il est sorti, attendez, je vais vous dire ça. Il est sorti du coup le. Excusez-moi, je ne me suis pas pris à l'avance, désolé. Alors, en gros, il est sorti le 21 septembre. Quand je tourne la vidéo, on est le 23. Et moi, j'ai reçu une clé le 22. Il est au prix de 2,99 €. Il est en réduction jusqu'au 28 septembre. Et sinon, de base, il fait 4,99 €. Les langues supportées, c'est l'anglais et le russe. Et pour la petite description du jeu. Je vais vous faire ça tout de suite. Alors. Sinon, j'espère que vous allez bien, etc. Que vous avez passé une bonne semaine. Alors, un jeu de tir descendant coopératif sombre dans un décor d'apocalypse zombie post-soviétique. Vous apparaissez à un endroit aléatoire de la ville. Le but est d'arriver au transport et vous ferez le chemin vous-même. Dans la journée, cherchez des ressources et construisez des fortifications. La nuit, détruisez les morts et leurs patrons. Voilà le speech du jeu. En gros, j'ai enlevé le son ambiant parce que. Le son ambiant, la musique, excusez-moi. Voilà, off. Comme vous voyez, anglais et russe. La qualité, j'ai mis un épique. Il n'y a que ça comme. Comment dire, comme paramètre, on ne peut pas changer les touches, etc. etc. On va faire le tutoriel pour commencer. Et si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Alors là, il nous parle des shops, ok. Le loot. Ok, je pense que je vais mettre en QWERTY. Voilà, c'est fait. Ah, ok, le tutoriel, ça explique juste ça, d'accord. Il faut regarder une dernière fois, les amis. QE. Top and Solo game. Ok. Du coup. L'inventaire, c'est comment? Je sais que je connais pas les touches, en fait. Hold, ah voilà. Il faut rester appuyé sur espace pour avoir les armes et les fortifications. Ok. Je sais pas si je remets le son de la musique, mais ça c'est un peu triste là, sans musique, sans rien. J'ai 224 balles, comme vous voyez, en haut à droite. Je peux pas looter la voiture. Non. Ok. F. Ok, on a gagné 10 points. Je sais pas c'est quoi du coup. J'hésite à vous mettre la musique, les amis, parce que elle est très très forte et du coup ça. On a trouvé de l'argent. Ah, pour changer de ville ou de point, je sais pas comment dire ça, il faut payer, ok. On va voir s'il n'y a rien par là. On va tout loot au cas où. Ok, là aussi. Bon, ben on va prendre celle-là. Ah, il faut 400 étoiles. Ok, j'en ai aucune. Je pense que je vais baisser un peu le son. Attendez.
Désolé pour le bruit. Je vais le mettre à 50%. Wow. Wow. Ah ouais, ça rigole pas. Ok. Ah ouais, c'est compliqué le jeu là. Ah ouais, il est hardcore en fait. Je pouvais rien faire. Attendez, j'ai quoi comme arme? Ouais, j'ai qu'une arme. En plus, la journée passe vite. Regardez en haut à gauche. Ok, là c'est bloqué. On peut courir ou pas? Ouais, on peut courir. Ok, mais là je peux rien voir. Désolé, les amis. Ok, là je suis bloqué. Ah. On a eu deux engrenages, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ouvrir là, pardon? Non. Oh ouais, le jeu il est hardcore, franchement. Avec la première vague, j'ai survécu 10 secondes. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai reçu le jeu grâce à Kemeller, que je remercie. J'avais fait la demande du jeu et j'ai reçu la réponse un jour après la sortie du jeu. Donc, merci à eux et puis j'espère que la présentation vous plaira. Ok, la nuit commence. Wow. Ok, c'est chaud, c'est chaud. Allez, cours! Cours! Ah, j'avais plus de stamina. Ok. Enfin, j'ai un peu compris le but du jeu. C'est de survivre, faire le max de kills, et puis... Puis voilà, mais franchement, c'est très très chaud. Hein. Attendez, on va quitter ça. Ouais, on va voir s'il y a des serveurs, attendez. Si, il y a deux serveurs. Ok. Ouais. Je sais pas si je tente une dernière fois ou pas. Parce que c'est vrai qu'il est hardcore là, le jeu. Ouais. Faudrait que je teste à plusieurs. Je vais voir si des amis à moi vont se procurer le jeu et on fera ça à plusieurs. On va faire une dernière game, les amis. Voilà. Je pouvais loot quand les zombies sont morts, ils avaient du loot. Mais je pouvais pas les ramasser parce qu'il y avait la grosse, le gros zombie là. Et du coup, c'était impossible. Impossible de loot. Ok, non là je peux pas passer.
Ah, je compte l'immeuble là, ok. Attendez, vous voyez rien, c'est normal. Quand on a trouvé des. Je sais pas c'est quoi, de l'argent peut-être. Alors, on va tourner un peu. Heureusement, j'ai 200 et quelques balles, mais je sais pas combien de temps elle dure là. Combien de temps dure là. La vague de zombies. Ok, j'ai reçu une armure. Nickel. Il n'y a pas de barre de stamina? C'est ce que je voulais voir. Ok, la nuit arrive. J'espère que le son n'est pas trop fort, qu'il vous a pas cassé les oreilles. Si je l'ai mis à 50%. Ok, là il y a une autre entrée. Faudrait que je trouve un endroit. Un bon endroit pour pouvoir les brain. Ok, c'est l'heure de la nuit normalement. Ok, night. On va les attendre. OK. Ah ouais, c'est vraiment dur. Le dernier là, c'était le dernier zombie à tuer. Enfin bref, je pense que la vidéo va s'arrêter là, les amis. Il est très très dur le jeu. En coop, ça devrait être plus facile. Ouais, je pense. Enfin bref. Merci à Kemeller pour cette clé, du coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus libre là, votre ressenti sur le jeu, etc. etc. Désolé d'avoir fait que 3 games, mais. Franchement, là, faudrait que je trouve quelques amis à qui le jeu intéresse pour en faire des games à plusieurs. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça ferait plaisir. Ça fera un petit référencement de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Chapeau de paille. Peace.